Après plusieurs années de souffrances sans eau potable, la population du quartier Kamasaka peut désormais pousser un ouf de soulagement. Engagée dans l'amélioration des conditions sociales de la population, comme c'est le vœu du président de la République, Félix Tshisekedi, la bourgmestre de la commune annexe, Mireille Kilichesekwe, a inauguré ce jeudi 19 septembre 2024 une borne fontaine dans cette partie de Lubumbashi, réalisée grâce à l'entreprise minière Chemaf, dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Des cadres de base et la délégation de l'équipe de la relation publique et sociale de Chemaf, conduite par Mazeza Lukambo Evariste, ont pris part à cette cérémonie. Je donne une félicitation à Maman Bourgmestre, la chef de la commune annexe, et au président de la République, qui a une vision pour le peuple d'abord. Alors c'est une joie pour ma population. Vous savez, avec cette période de sécheresse, ma population souffre. Alors comme on vient de nous dire une borne, ça en reste encore 4 ou 3 dans le programme de l'entreprise Chemaf. Alors c'est très favori, très remerciant, très joyeux de ce programme. Après la coupure du ruban symbolique, l'Anzovu du Haut-Katanga, Mireille Kilichesekwe, s'est adressé à la population enthousiasmée par cette œuvre. Tunampikia aksanti sana kwa nguvu yenyewe anakuwa anafanya usiku na mchana juma proje ile analeta kwa population ya Congo ifanishike. Tumpikie mbele mikono president wetu. Hiki kitu kinakuwa kitu chenu. Mwe wenyewe mkiproteje. Mwe wenyewe mkisecurize. Hii mai tunatia hapa haiko mai ya kujisha pana. Cet établi, elle s'est rendue au quartier Kipanta pour visiter deux écoles en pleine construction, visant à soutenir l'initiative de gratuité de l'enseignement promue par le président Tshisekedi. Mireille Kilichesekwe a constaté avec satisfaction que les travaux progressaient à bon rythme, au grand plaisir du chef du quartier Kipanta. Na ile tunalomba tu ni Mungu amusaidie atuyaonaka mwanamke saa huyu. Munaona makazi kuna fanya mkwe yote ya komina next. Mungu wa mwongezie masiku, Mungu wa musaidie sana pouke i komina next ikwe sabulaye. Cependant, lors de son passage, la bourgmestre a également observé l'état de délabrement avancé de plusieurs routes dans ces zones. La population place désormais beaucoup d'espoir en l'Anzovu du Haut-Katanga pour la réhabilitation des artères afin de désengorger les différents quartiers et faciliter la circulation.